ça. Dans ce camp. Hein? Dans ce camp. Dans ce camp. Comment tu te sens? Ça va un peu. Ça va un peu. Tu as mangé? J'ai mangé. Est-ce que je peux prier pour toi? Oui. Attends, viens. Tout ton nom, c'est quoi? Jésus va te guérir. Amen. T'as envie? Amen. Que tu vas le servir. Amen. Satan a menti. Il a menti. Ouais, il a menti. Amen. Il a échoué. Il a échoué. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà, Jésus va te guérir et tu vas servir Jésus. Tu vas le servir et puis tu vas montrer à Satan qu'il est vaincu. Il est vaincu au nom de Jésus. On t'a mis sous jeûne, c'est toi? Amen. Voilà, reste dans le monde de jeûne. On va prier pour toi pour que tu retournes tes sens. Jeudi. Oui, jeudi matin. Voilà, jeudi matin. Jésus va te guérir. Mon témoignage est un peu long, mais je vais couper. Testimonies. Oui, je vais couper. Okay. Parce que moi, mon mari était charlatan. My husband was. Nous avons charlaté pendant 9 ans. And we have worked. Et là, les génies ont dit à mon mari qu'il devait donner 7 personnes. Pour qu'il puisse s'asseoir. Ils ont posé la question, quand un étranger vient, vous devez lui donner à soi. Mais pourquoi nous on est venus depuis que vous ne nous donnez pas à soi? Et ils sont arrêtés. Ils vont s'asseoir sur 7 personnes. Et quand ils ont dit ça, mon mari dit non. Je ne peux pas accepter. Et là, quand mon mari a dit qu'il ne peut pas accepter, ils ont dit que, bon, comme tu ne veux pas, on a compris, mais on va prendre un bœuf à Minos. Et mon mari était en train de chercher le bœuf à Minos. On ne sait pas. Il dit bœuf à Minos. C'est ce qu'ils ont dit. Et là, quand mon mari était en train de chercher le bœuf à Minos, c'est là qu'ils ont tué son grand frère. Quand ils ont tué son grand frère, ils sont venus dire à mon mari de leur dire merci. C'est ça, mon mari dit non, si c'est comme ça, je refuse de vous servir. Et là, mon mari a pris la décision et nous sommes partis à l'église. C'est quand on est parti à l'église, deuxième année que j'ai eu celle-là. And the second year, et quand je l'ai eu, on était là. Moi, j'ai eu des histoires avec mon mari. Je ne voulais plus de lui, je suis partie. Quand je suis partie, l'année qui va terminer, moi-même, je suis devenue folle. J'ai la folie, je suis restée dans la folie pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'étais folle. Et là, les serviteurs de Dieu ont prié pour moi. J'ai retrouvé la guérison. Quand j'ai été guérie, après 13 ans, je suis revenue. Ils ont demandé pardon. Je suis revenue chez mon mari. Et après 13 ans, ma fille aussi a eu la folie. And 13 years after, quand elle a eu ça, on est parti. Elle était tellement violente, elle voulait même casser mon cou. Pourquoi maintenant, quand elle fait et puis je vais avec bois auprès d'elle, c'est parce qu'elle a failli casser mon cou. Donc, on est parti à Benjerville. On a passé 3 semaines là-bas. Ils nous ont fait des injections. Ça n'allait pas. Ça continuait. Ils ont doublé encore l'injection. Jusqu'à on a passé. Quand on lui a fait l'injection trop, ça a fait qu'elle a dormi 3 jours sans se réveiller. Je pleurais même. Après, elle s'est réveillée. Mais elle continue de prendre les comprimés, les médicaments, les piqûres. C'est tellement cher, même on n'a même pas les moyens pour payer ça, mais on s'est débrouillé pour payer. Mais tout cela, elle rechute à chaque fois. Elle a rechuté 3 fois. Et la fois dernière, elle m'a dit comme ça que maman, j'ai fait un rêve que je suis tombée encore dans la maladie. C'est ça que je lui ai dit. Moi, on m'a parlé d'un homme de Dieu. Aujourd'hui même, il a passé à la télé. Ce jour-là, il avait passé à la télé. On m'a parlé de lui. J'ai un camarade qui est venu à Divo ici qui allait me parler de lui. Et encore, je viens de le voir à la télé. Elle dit, maman, allons chez ta camarade, on va prendre le numéro. Je vais partir rapidement. Et elle s'est décidée elle-même. Alors que d'habitude, quand on lui dit d'aller, après les piqûres, on lui dit d'aller dans un camp de prière, elle dit elle ne va pas parce qu'il y a les démons dans les camps de prière. Elle ne va pas là-bas. Donc, mais ce jour,
jour-là, c'est elle-même qui a décidé pour venir. She herself et moi, decided je suis venu l'accompagner jusqu'à Agamé. Nous sommes à Bobo. On est venu à Agamé, je lui ai mis dans un camion et puis moi, je suis reparti avec son fils à la maison. Après 4 jours, on m'appelle pour me dire que ta fille a piqué encore la crise, qu'elle est devenue encore folle. En tout cas, quand je venais même, je ne sais pas c'est quel pain ou bien quelle chaussure je vais porter pour arriver ici. Mais Dieu Only est God. Ici. Dieu est vraiment dans God ce lieu. Really quand je suis arrivée, vraiment, elle s'agitait. Elle lapidait tout le monde. Même moi-même, elle ne veut pas me voir. Et là, le prophète a dit, on va vous envoyer de l'autre côté, à Zaropo. J'ai dit, quand j'ai entendu Zaropo, il y a une joie qui m'animait. J'ai dit comme ça, oui, je vais partir à Zaropo. Ma délivrance, la délivrance de ma fille se trouve à Zaropo. Arrivé à Zaropo, en tout cas, Dieu a fait. Parce que tout ce qu'elle disait là, il y a aussi qui était faux, mais il y a aussi qui était vrai. Parce qu'en réalité, moi-même, je ne me sentais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui était sorti en moi. Je me sentais faible. Au moment où je venais, c'était malade. Même quand elle me bousculait, elle me faisait tout ça. Elle dit, toi-même, tu sais que je ne me sens pas bien. Regarde tout ce que tu me fais. Mais elle m'a balancé jusqu'à on est arrivé à Zaropo. Lorsque j'ai mis mes pieds à Zaropo, tout ce qui était à Zaropo, mon Dieu. En tout cas, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai imploré mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, si nous sommes venus à Zaropo, c'est qu'il y a notre solution ici. Et là, Jésus-Christ a opéré le miracle. Le miracle que Jésus a opéré, vraiment, c'est grand. Je ne sais même pas comment l'exprimer. I don't know how to non, express c'est it. Pas possible. Alors que j'avais déjà commencé la maladie, je suis venue le jeudi 10 et j'ai piqué la crise le jeudi 17. And a week after, c'est là que ma maman est venue le vendredi 18. Ça n'allait pas, moi je ne me retrouvais pas, je disais n'importe quoi, je délirais. Je disais n'importe quoi. Je ne savais même pas où j'étais même. On m'a raconté tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait au prophète. Moi-même, j'étais dépassée, même j'ai attrapé ma tête. Mais c'est quoi? When they told me, tu te rappelles le jour où voilà, tu as travaillé, je suis allé te voir derrière. Oui, je me rappelle. Je t'ai dit, ma fille, ici, deux jours, tu vas bien. Do you remember? C'est la même nuit, la même que j'ai dormi. Two days. La nuit du vendredi. J'ai une autre manière de voir la folie quand je vois une personne dans un état de folie. J'ai vraiment mal au cœur parce que c'est la plus terrible des maladies. Ça devient une perte d'identité. Je l'ai vue à moitié nue. Elle ne dormait pas. Elle m'a même dit je ne dors pas. Elle m'a dit papa, je ne dors pas. J'ai dit tu vas guérir ici deux jours. Nous sommes habitués à ça, ceux qui savent bien que Zaropo, nous sommes habitués à des séries de délivrance et tout ça. Moi, j'étais convaincu de sa délivrance. J'étais tellement convaincu. Et que j'ai appelé après, on dit, ah, mais ça va. Parce que Dieu est Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. C'est un témoignage, hein? C'est un test. Moi, mon nom, c'est Teba Dadio Rodrigue. Pendant les vacances, je suis parti au village. Gros. Arrivé là-bas, j'ai dormi avec le vieux.